bonsoir à tous. Comme vous voyez, je suis en face de Dodo et Shiny. Alors, cette recherche, je l'ai commencée lundi 2 mai. J'ai chassé toute la journée, parce que je ne vous sais pas ce jour-là. Et je suis allée assez vite, puisque c'est une recherche sur les herbes doubles au bois des illusions. Et donc, j'ai posté en signature tout à l'heure sur le forum mon chiffre, qui allait atteindre ce soir les 1500 rencontres. Et en fait, finalement, j'atteindrai jamais les 1500 rencontres, puisque je viens juste de tomber sur ce magnifique chromatique. Donc, faut savoir que c'est mon premier Shiny 5G. Je suis sur la version noire. Donc bon, ça tombe bien puisque j'ai amené mon Galam pour en fait faire la recherche de Viridium Shiny. Comme j'attends d'avancer ma version blanche pour pouvoir faire du double, j'ai décidé de faire une petite recherche en attendant. Et donc comme c'est une recherche que j'avais prévue, j'ai décidé d'aller un petit peu en avance. Et pendant que je suis en train de trimer sur Arco, puisque j'en suis à 9000 rivettes, en fait, le petit Dodové Shiny, il est apparu assez vite. Parce que là, donc j'en suis à moins de 1500 rencontres. Je donnerai le chiffre exact après, parce que là, je l'ai pas sous les yeux, j'en ai tellement PC. Bon, là, je vais entamer la capture. Donc, d'abord, je vais le faucher. Donc, il m'attaque avant. Voilà, il est empoisonné, c'est pas très grave. Il va faire son fauchage. Il est super, super beau. Alors, j'ai vu mes premières étoiles 5G, ça fait... Ça fait un petit battement au cœur, elles sont mignonnes. Ça vaut pas quand même les étoiles 4G. Mais bon, elles sont super jolies quand même. Voilà, donc là je viens de m'endormir. Je suis toujours empoisonné. Et donc comme je le pense, le faire évoluer, enfin la faire évoluer puisque c'est une semaine. Donc en vue de forfait du V, je vais lancer la scuba. Une boule que j'aime bien. Et les gars, les capturés. Enfin, elle est capturée. Donc le surnom, comme la recherche est allée assez vite en fait, j'ai pas encore eu le temps d'en trouver un. Mais bon. Alors là, j'aurais pas l'écran du Dex parce que j'ai déjà capturé un doux du jeu en fait. Donc un surnom en refermant. Alors je sauvegarde. Voilà, donc je suis au bois des illusions. Je vais faire tout de suite 2-3 rencontres. Voilà, j'aurais pu tomber sur Colombo, mais c'est pas tombé sur lui. En fait, Dodo c'est ma cible, donc c'est génial. Ma cible secondaire, c'était Colombo, mais bon. Vu que j'avais un peu peur aussi de tomber sur une femelle, puisque je préfère quand même le mâle. Donc on va tout de suite aller voir sa nature. Bon, nature neutre, idyllique, mais par contre, son arrivée s'échoue rapidement. Voilà, capacité spéciale, farceur. Waouh.
Elle est super mignonne, je vais vous la montrer. Allez, on va la mettre en situation alors. Je vais voir si j'ai pas un... Non, c'est pas grave. C'est parti. Alors ça c'est mes premières étoiles 5G. C'est la première fois que j'ai un Pokémon sur ce garçon. Un Pokémon chinois. Wow. Trop bien. Elle est super super belle. Je pensais pas tomber sur elle aussi vite en fait. Et bon bah... Du coup... Du coup, il faut vite que je finisse ma version blanche pour pouvoir faire du double de Viridien, comme j'avais prévu. Bon ben, je vous quitte sur ces images de ma petite doudou et Shenmue. Je vais lui trouver un surnom, la faire évoluer bien sûr. Et puis, je vais reprendre Arco dès ce soir. Parce que j'espère qu'il va bientôt arriver quand même. Et puis, je suis toujours sur Goopix, sur Soul Silver, sur la route 48. Goopix ou Ortid. Ortid me déplairait pas parce que... J'ai prévu une autre recherche dans le futur où il y a mystère, donc comme il y a des évolutions pour possible d'Ortid, voilà, ça ira je pense. Donc bah, écoutez, bonne chance à tous, à tous les chasseurs. Et à bientôt, j'espère, pour Goopix ou pour Arco donc. Voilà. Bonsoir.